Ouais, puis c'est une habitude hein, maintenant. C'est sympa, ça nous permet de nous retrouver. Ben voilà, déjà. Donc rien pour ça. Non, sur le concours des maisons fleuries, merci d'avoir participé. Je pense que vous faites ce concours. Je ne sais même pas si vous le faites pour faire ce concours. On le fait quand on aime ce genre. Pour vous. Oui, c'est dans la vie. Pour moi, vous en faites. Oui, déjà, merci. Merci pour ça. Et ça s'inscrit en plus, nous, dans notre démarche. C'est un bien que je sens inclusive, qui a un label 4 fleurs, Ville et Village Fleuris. Et c'est un label national. Et juste pour vous dire qu'il n'y a que 278 communes en France qui ont ce label-là. Sur à peu près 35 000 communes, toutes ne sont pas dans cette démarche-là, mais on est quand même, ça, c'est beau, je savais, on est parmi les 278 communes de France qui ont les 4 fleurs. Alors, vous avez une partie de ce succès, hein, parce que, évidemment, quand le jury passe, il regarde ce que la commune fait, il regarde aussi un petit peu ce que chez les particuliers. Donc, merci à vous pour ça. Et nous, commune, on a aussi une mission, vous savez, hein, de se maintenir dans ce label-là, au niveau où on est, sur les 4 fleurs. Alors, ça ne prend pas en compte que le fleurissement, hein, c'est tous nos aménagements, les restaurations de maisons, etc., etc. Mais le fleurissement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Vous le faites avec goût et passion chez vous. Et nous, ici, nous, on le fait également par goût et passion. C'est donc Patrice Noël, maintenant, qui en a la charge. Et c'est une passion pour toi aussi, Patrice. C'est un vrai plaisir. Il a une bonne connaissance des végétaux, et je pense que le fleurissement qui a été proposé cette année, j'espère qu'il vous a plu. Ça vous donne un petit peu de temps à démarrer et à prendre de l'ampleur, mais le soleil n'était pas tellement rendez-vous non plus. Mais nous, on continuera à fleurir et à bien végétaliser nos espaces, parce que c'est important. Et puis j'ai marre de je peux trop. Non, c'est là, sans doute. Et puis, et voilà. Merci à vous tous. Merci. Voilà, traditionnellement, on aime bien vous réunir tous les ans pour vous remercier de participer. Donc l'idée, c'est de sur un temps convivial. Hein, tous les participants vont gagner déjà le plaisir d'avoir participé. Donc je vais juste rappeler un peu, expliquer un peu le jury quand même. En fait, on a dû passer, je n'ai plus la date exacte, mais en juillet, avec tous les deux, un élu de l'IAC et puis un agent des services techniques. Et donc, on est quatre à être venus chacun, voir chacune de vos maisons. Et puis, en fait, on a une petite grille qui nous permet d'établir des notes. Donc, on fait ça de manière sérieuse, rigoureuse. Donc, donc on ne va pas forcément tout lire, mais en fait, on a plusieurs catégories. On a la catégorie jardin invisible de l'espace public, la catégorie décor floral sur façade ou sur cour, et la catégorie ambiance végétale des commerces. Donc, c'est vrai qu'on a, on doit regarder plusieurs choses, hein, l'organisation, la mise en scène du végétal, la qualité esthétique, la qualité et l'entretien du bâti, les clôtures, l'environnement général en fait, hein, de l'espace public, et puis le choix des espèces, l'effort saisonnier, la qualité d'entretien. Donc en fait, c'est pas juste ça nous plaît, on a une bonne note. Enfin, on regarde aussi plein d'autres aspects liés aussi à l'entretien, liés aussi au choix des essences par rapport aussi à la gestion de l'eau, parce qu'on essaie d'être dans de valoriser aussi les démarches durables qui nécessitent peu d'eau d'entretien. Voilà, donc on a plusieurs critères pour établir une grille de notation, une note sur 20, et puis après on fait un classement, on fait une moyenne des notes, et puis on aboutit à un classement qu'on essaie. Par contre, par rapport à l'eau, très souvent, on fait des réserves d'eau avec des toitures aussi. Oui, je sais que j'ai des réserves d'eau, je ne regarde pas que les fleurs, on regarde aussi des choses qu'on voit parfois. Parce que beaucoup des gens qui fleurissent maintenant, on essaie de faire cet effort d'avoir un million avec tout ce du ciel. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais même nous, à la commune aujourd'hui, l'arrosage dessert
les plans en ville des jardinières et de nettoyage des rues se fait avec de l'eau de récupération. Oui, voilà. C'est une pierre aussi. Voilà. On a une cuve de 129 mètres cubes. Donc voilà sur les critères, l'idée c'est pas non de pas être de ça, mais donc du coup on a déterminé les gagnants de cette année, donc dans les trois catégories, donc trois gagnants, donc ça fait 9 gagnants en tout, donc vous pouvez découvrir vos noms. Donc pour les commerces, il y a le restaurant La Terrasse. Alors c'est un prix spécial dans le sens où on a décidé de remettre un prix. Le restaurant n'avait pas émis le souhait de candidater. Enfin, je pense que ça les intéressait pas forcément. Mais on a voulu quand même mettre un focus sur l'effort en fait de végétalisation de ce restaurant-là qui végétalise sa terrasse, voilà, à l'arrière de son restaurant, mais aussi en pied de mur au niveau de la rue de la Tillée, et aussi de l'autre côté au niveau du halage. Il y a un vrai effort de diversité, à la fois esthétique, de couleurs, etc., et puis quelques plantes comestibles. Donc voilà, je pense qu'on voilà, est beaucoup à apprécier ce fleurissement, et puis on s'est dit cette année, on s'autorise le droit de leur promettre un prix. Voilà. Ensuite, au lit du canal, qui est juste à côté, en deuxième, et puis le restaurant La Sarrasine en troisième. Maison avec jardin, donc Rosemary Vassal, Personne Saint-Croix, Jean-Pierre Joulot, rue de la Tignée, Marie-Thérèse Étoré du côté de, comment on appelle, du Fraîche, et face à des balcons, donc Eliane Mulhuet sur Sainte-Croix, Nathalie Ledéan aussi sur Sainte-Croix, et Maryse Deslandes. Voilà le classement des gagnants dans les trois catégories. Donc bravo à tous. Cadeau. Donc deux types de cadeaux, donc pour tous les participants, une Oyas que vous avez peut-être vue dans les jardinières sur Josselin déjà, puisque l'objectif c'est de faire passer des massages en termes d'économie d'eau. Oui. Je sais pas si certains utilisent déjà. Personne n'utilise un système comme ça, mais non. Bah là, demain, vous allez devoir de tester connaissance des végétaux. Donc, les végétaux sont numérotés. Donc, si vous voulez venir tester un peu vos connaissances.